Ça va se périmer après. On va le regarder dans son... Pourquoi je peux pas suivre? Voilà. On va voir s'il maîtrise. Il est heureux. Ah, il est plus heureux maintenant, il est juste bien. C'est bizarre ces systèmes de... d'humeur. Ça change trop vite. Là, normalement, il y a ma grosse tête de l'authentique, donc on voit pas. Mais c'est là où il dit s'il est bien, s'il est pas bien, s'il est content, s'il est anxieux. Ah, mais c'est là, c'est ça, printemps. Faut pas cramer, hein. Voilà. Il mange comme ça, il a pas le temps lui. Il va t'asseoir. Voilà, maintenant il est tendu. Pourquoi? Il a besoin de se divertir, ouais, c'est pas faux. Je crois que le violon, ça lui faisait du bien. Fini de manger là. Pourquoi il reste comme un teubé là? Il s'ennuie. Allez, va faire du violon, je crois, ça te faisait plaisir. Jouer pour trouver inspiration, mettre dans l'inventaire, engager un violoniste, non. Jouer un morceau. Jouer un morceau. Traditionnel. Fleur de juin, allez, fais-toi plaisir. Ah ouais, il se fait chier vraiment. Lui, il va chanter, comme d'hab. Voilà, il est heureux. Il passe d'un extrême à l'autre, c'est un truc de fou. C'est bon, t'es fini? Ah, faut trouver quelque chose pour qu'il s'amuse un peu plus, hein. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Passer du temps ici. Ouais, si tu veux, allez. Ah, bon, j'allais dire c'est presque bien, mais non, en fait. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a peur. Ah, mais il a peur de lui, peut-être. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Il fait ses gammes. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, t'étais parti, t'es revenu? Une magnifique symphonie. Maxime s'amuse comme jamais et se sent prêt pour un concerto. Doit-il reconnaître qu'il aime le violon? Bah, on a un violon, on en veut, on dit qu'il aime le violon. Allez. Voilà, maintenant dans ses traits de caractéristiques, il y aura le violon. Qu'est-ce qu'il veut? Hygiène, ah ouais, il faudrait peut-être qu'il passe un petit peu à la douche. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dort. Et lui, il fait quoi? Il parle avec la voisine. Moi aussi, je vais parler avec la voisine.
Bon, là, il va couper. Bizarre. Qu'est-ce que ça fait? C'est invité, elle, ou quoi? Présentation amicale, allez. On va faire du social. Après on fera manger. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Sentiment envers Justin. M'en fous. Voilà. Il va faire des amis. Voilà, tout le monde est content. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Afficher information sur les factures. Comment ça marche, l'histoire? 370 balles du terrain, 126 d'électricité, 2 en eau. Ah, il y a un croco là! Il y a un croco qui est par là! Vent automatiquement stocké. Taux de variation. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, on va laisser en automatique. Hein. D'accord, maintenant les factures elles sont précises. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Quoi, elle vient chez moi pour sortir mes poubelles. C'est bien. Allez, elle est gentille. Qu'est-ce qu'il veut y faire de violent lui? Pas longtemps, il va falloir qu'il mange et qu'il aille au lit. Ah, toujours les mêmes, hein. Enfin, je crois, parce que je vois pas, moi. Attends, tac. Ça rien que je regarde, il mange pas le truc. Toujours les mêmes. Petit Paulet et Flo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mon gars, il s'en bat les steaks, il fait du violon. Bon, il fait du violon. Ouais, c'est pas tip top. Ça manque de musique. L'enceinte connectée, elle est un peu space. Elle marche pas trop bien pour la musique. Merde, il est fatigué. Alors, il est heureux parce qu'il aime le violon. Il est heureux parce qu'il joue du violon. Il est heureux parce qu'il y a un bon feu de cheminée. Et il est auto-inspiré. Du coup, il est inspiré. Du coup, il va gagner plus vite des trucs. Ah bah c'est bon. Il se met devant la fenêtre pour faire du violon. Oh, mon chat est en train de défoncer le mobilier. Il me gaze à faire ça. Félicité, oui, c'est ça. Ah, il a fini. Voilà. On va le laisser faire du violon. Hein. Ils ont toute la place de la maison, ils sont... respecte pas les gestes barrières, là. Cinq personnes? Ah bon? Cinq personnes qui regardent les Sims. Qu'est-ce qu'ils font, là? Et faites des trucs. Même le chat, il vient maintenant. Tout le monde se tient dans 2 mètres carrés. C'est une catastrophe le truc. Bon allez, hygiène, on verra tout à l'heure. Est-ce qu'il doit pas travailler là, normalement? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? On va sortir. 4 maintenant. Ouais, ça fluctue, ça fluctue. On va vider la gamelle, elle est pourrie. Après, on va la re-remplir. On va lui nettoyer son litière.
Et à un moment donné, il va falloir qu'il aille au lit. Mais j'ai envie d'acheter un truc de musique là parce que c'est nul, il n'y a pas de son. Par contre, je sais plus comment on fait. Paf, paf. Instruction, c'est ça. Ouais. Tac, tac, tac. Par fonction. C'est-à-dire... Ouais, non, c'est pas là. Alors. Salon. Ah non, mais là, c'est carrément des pièces. Je veux pas acheter des pièces entières. Hop. Salle à manger. Salon, voilà. Audio. On va acheter un truc sympatoche. Boîte à bruit. Bon, à mon avis, c'est pas ouf. Ah, mais c'est marqué là. Divertissement 1. Évaluation de la consommation d'électricité 4. Fiabilité 3. Ça va pas le faire. Divertissement 1. Ça, c'est déjà plus joli. Divertissement 1. Ah, tout à 1 en divertissement, en fait. Ça, c'est 8 en électricité. Ah ouais, en fait, j'ai pris un truc trop cher. Divertissement 2. Allez. Carrément le jukebox. Divertissement 4. Attends, mais ça vaut combien j'ai d'argent, là? 2000. 1008. Divertissement 3. Débloquer ceci en atteignant niveau 4. Ah d'accord, donc ça on peut pas. Divertissement 4, ça envoie. Ouais, mais 2000 balles. Divertissement 4. Ouais, une petite jukebox. On fait les fifous, après on mangera des pâtes. Ouais, une petite jukebox. On va mettre une petite jukebox. Ici. Boum. Et là, on se retrouve avec pas beaucoup d'argent. Bah ouais, mais je sais pas en fait comment ça fonctionne cette facture d'électricité. On verra bien, hein. Si c'est trop cher, on revend. Hein. C'est la vie, c'est comme ça, il faut oser dans la vie. Et comment on revient là? Mode de vie. Voilà. Envoie du son. Envoie du son là, fais péter. On va écouter du. On va écouter du hip-hop. On va écouter du hip-hop. Quand il aura fini de faire ses petits trucs. Non, t'as pas mis le hip-hop. Ah si. Là, il est content. Il tape du pied là, il est bien. Le chat, il mange, il va caresser le chat. Je sais pas ce qu'il raconte au chat, mais le chat, il est content. Il kiffe le hip-hop. Les invités, ils sont barrés. Non, ils sont là. Qu'est-ce que tu racontes à mon chat, toi? Allez, dis-lui un truc à elle. Tiens. Ah, il l'aime pas. Ah, elle veut pas lui parler. Raconter des ragots. Kiff PNL, je sais pas si c'est PNL. Proposer une idée d'histoire. Non, on s'en fout. Moi, de toute façon, elle se barre. Elle se barre. Lui, il en est où? Lui, il va dormir, lui, peut-être. Eh ouais. Il va dormir, il va se réveiller dans pas longtemps parce qu'il va avoir la dalle. Et on avait un truc à faire. Écouter de la musique pendant 2 heures. On va faire ça. Il s'est passé quoi? C'est le jour de l'amour. Ça donc quoi, ça? Coup de coude à l'âme. Attends, fais pause là. Attends. Qu'est-ce que c'est tout ça? Être romantique, offrir des fleurs.
Aller en rancard. Mais j'ai même pas d'amis. Qu'est-ce que tu veux que j'aille en rancard déjà? De 6h à 2h? On n'est pas obligé de le faire, ça. Être romantique, passer un peu plus de temps avec votre moitié. J'ai pas de moitié, moi. Ou la personne qui ressent des sentiments amoureux. Personne. Offrir des fleurs, blablabla. Ouais, ça on verra l'année prochaine. Hop là! On va se concentrer sur les projets. Qu'est-ce qu'il a? Il est mal à l'aise, pourquoi? Parce que. Il a faim. Il n'a pas le temps de faire le canard. Et il est cracra! C'est la Saint-Valentin, The Valentine's Day! Ouais, mais on n'a pas de Valentine. Donc, mais. Ah oui, d'accord. Moi, je te touche pas alors. Fais tes trucs. Ah, il veut manger devant avec la musique. Est-ce que ça fait augmenter du coup la musique? Il pense à caresser le chat. Avec 600 balles en vrai. Je fais le fou moi en achetant mon jukebox. Ouais, tu pues, ouais. Ouais, c'est ça, faut y aller là. On va le dégager ça parce que je vais pas le faire. Terminer le jour férié plus tôt. Ah, mais c'est pour ça qu'il va pas bosser. Bon, je touche à rien. Allez. Même dans les Sims, t'as vu, comme quoi. Allez, c'est bon, il se sent bien. Maintenant, je voudrais qu'il puisse écouter 2 heures de musique. Comme ça, c'est fait, il va passer un niveau de plus. Et ce sera un génie de la musique. Écoute de la musique après ça. T'as pas faim? Si, t'as faim. Et oui, c'est normal. Même dans les Sims, c'est réel. Ouais, ah, mais non, j'allais dire, j'allais prendre un domestique pour qu'il nettoie tout, mais ça va encore me coûter de l'oseille. Et là, j'ai fait le coup, hein, à tout acheter. Allez, frotte les petites fesses, dépêche-toi là. Après, il faut faire à manger. Tu nettoies ça. Il n'y a rien à vider, donc c'est cool. On va lui faire un petit truc à manger. Pour le croco, la dernière fois qu'il a fait à manger, enfin l'avant-dernière fois, il a foutu le feu. Donc, préparer. On va se cuisiner. Ouais, je suis un Sims. On est tous des Sims. On est tous des PNJ. Réfléchissez à ça. C'est quoi ça? Pao de Queijo. Des petits pains? Ouais, vas-y, des petits pains. Mange des petits pains. Il y a un truc qui me rend dingue, c'est qu'il n'y a pas de viande. Regarde. Sandwich au fromage, gâteau au riz, ravioli chinois aux légumes. Et c'est un vegan ou quoi, mon gars? On va faire ça, là. Je sais pas ce que c'est. Portion individuelle, 7 balles. Hop, mauvais bouton. T'as raison, le chat. Oh, mais vas-y. Heureusement que je fais pas du pain comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Même le chat, il va le pétrir avec ses grosses pattes. Ah, tu vas voir, il va allumer le feu. Des fois, il l'allume, mais il l'éteint plus. Après ça, on le fait aller aux toilettes. Et après, il faut qu'il écoute 2 heures de musique. Ça y est, niveau supérieur. On est bon, on est bon. Il a atteint la compétence 2. Il a appris des recettes de toast avec des œufs. Ah ben voilà, enfin, il va bouffer du consistant, là. Et oh. J'ai rien contre les véganes, mais à un moment donné, faut de la vraie protéine, bordel. Allez, maintenant il est heureux, il a bien mangé. Le chat dans le four. Eh non, c'est Léopard. Ah ouais, t'as pas vu, toi? Regarde. Il est où, ce con? C'est Léopard qui est en train de déboîter mon lit, là. Enfin, c'est pas mon lit. Dans ma vraie vie, c'est mon lit, mais ça, c'est un canapé. Il faut que je le gronde. Comment ça marche? Faire connaissance. Genre, je le connais pas. Mais non, je vais pas le faire des câlins, il vient de défoncer.
plus de choix. Méchant. Méchant quoi? Non, j'ai pas envie d'être méchant. Et hurler, gronder, ouais, je vais le gronder. Peut-être qu'il va pas m'aimer. Espèce de chat qui démonte les meubles. Il comprend rien. C'est l'opard. Bon, va écouter de la musique, toi. T'as mangé? Ah non, c'est le chat. On va pas mettre des coups de au chalopard. Écoute-moi de la musique. Il faut que t'écoutes pendant 2 heures. Écoute. Écoute le hip-hop. Arrête de lire. Allez, arrête de lire. Écoute le hip-hop. Pendant 2 heures. Voilà, comme ça. Bouge la tête. Voilà, claque des doigts. Tout, tout, tout. T'es dans le move, t'es dans le move. Je sais pas ce que tu regardes là, t'es même pas en face de la fenêtre. Tu regardes par là-bas. Il est content. Il est même heureux. Parce qu'il y a le feu de cheminée. Parce que c'est un excellent morceau. Et qu'il a mangé de la bouffe correcte. Travail ? Ah ouais, travail. Travail. Quelle heure il est ? Ah ouais ! Non mais faut pas bosser là. Attends. Je suis perdu moi. C'est quel jour ? C'est les jours en... Travail dans 2 jours. Non, ça va, il est en repos là. Travail dans 2 jours. D'accord. Non, non, c'est bon, c'est bon. Là, il a déjà écouté du son pendant 1 heure. Encore 1 autre heure et il sera OP. Voilà, il est bon, là. Ça, c'est Mary J. Blige. Envers du travail. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ah, c'est en gris. Dimanche, tu travailles. Ouais, je travaille, moi. Je travaille le dimanche, le lundi, le mardi, le jeudi. Je gagne 38 euros de l'heure. Ça va. J'ai 3 jours de vacances disponibles. Et si j'atteins le niveau 3, je vais avoir plus de thunes. On va d'abord faire ça, là. Qu'il est 2 heures. C'est Wesh Den. C'est quoi qui a chanté cette info? Merde, putain, j'ai bu le truc. Ah, c'est bon, il est content, il a fini. J'ai gagné ça, je sais pas ce que c'est, mais maintenant je suis un génie de la musique. Oh, c'est pas fini, atteindre un niveau 4. Ah non, je suis pas un génie, il faut passer tout ça pour être un génie. Atteindre un niveau 4 sur un instrument. Bon, ça peut aller, ça, jouer pendant 1 heure en étant inspiré. Ah, mais je suis pas inspiré, là. On va le faire manger. Ouais, mais je sais plus c'était quoi, là, avec sa meilleure amie, je sais pas quoi. Ah, il me saoule, lui. Bon, allez, viens, parce que j'ai le temps, allez, c'est bon. C'est agréable de t'entendre, Maxime. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Katharina Lynx. Tu prends des caleçons sales et tu hors de ma vie. Elle semble être de bonne compagnie. Et je t'ai dit, je m'en fous, tu fais ta vie. Hein. Je crois que tu devrais te lancer pour retourner, je sais pas trop. Si j'étais toi... Oh, ma télé qui se m'enveille. Attends. Tac, tac. Je sais pas trop. Voilà, démerde-toi. Hein. Chacun ses petits soucis dans la vie. Hein. Attends, c'était quoi le truc? Nanananananana. Et moi, je m'appelle Weshden. Oh, putain. Bon, attends, on fait quoi? On fait manger. On va manger. Maintenant que t'es un pas trop mauvais cuisinier, là, fais-toi plaisir. Et puis fais des trucs là, des œufs. Ouais, du poisson, des œufs, brouillés. Brouillé bacon, fais-toi kiffer. Ah, petite portion endive. Et plus tard, j'achèterai un banc de muscu là. Ça, c'est mon projet personnel à moi, ça. On peut pas rester sans sport, c'est pas vrai ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il est heureux déjà, c'est bien.
Ouah, comment il jette ça? Attention l'omelette. Ah, carrément. Allez, touille. J'ai cru qu'il allait faire direct sur la plaque de cuisson. Oh frérot, là, ça va pas être bon. Ah, il va faire la gueule. C'est bon, c'est cuit, frère. Paf. Oh, ça va. Ça a de la gueule. Voilà, quand t'auras bien mangé, tu seras OP. Il regarde le chat, genre moi je mange, toi tu manges pas. Alors maintenant qu'il a bien mangé, ça on peut faire. Mais après il faut être inspiré. Comment on peut faire pour être inspiré? Je sais qu'on peut prendre une douche pour l'inspi. Mais il a pas besoin de prendre une douche en vrai là. Pas trop, non? Il n'y a pas de table. Si, mais il y va jamais. Et en fait, je crois qu'il va rester à côté de la musique. La table, elle est là, dans une autre pièce. Et après, il y a le lit là-haut. Et là, il y a un grand truc qui sert à rien. Pourquoi il est tendu? Oh, vas-y! Il est psychopathe, lui. Il est heureux, il est tendu, il est heureux. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il fait. Ça c'est pareil. Pourquoi il nettoie tout dans la salle de bain? Il y a un évier là, il me semble. Voilà. Ils sont bizarres ces Sims. Tu vas voir, il va le mettre dans la salle de bain. Voilà. Qui c'est qui fait sa vaisselle dans les chiottes? Après, hein, s'il est content comme ça, pour moi je vais pas juger. Waouh, il est chaud là! Vas-y, passe sur le côté, coupé décalé. C'est qui, c'est qui, c'est qui? Ça c'est Kenny West. Bon, qu'est-ce qu'on fait là, de faire les couillons? Ah, il adore la nature, il est amoureux des chats, il aime l'art. Il écrit, le chat il chante. Ok, besoin, tout est bon. Au niveau du taf, il faut faire quoi? Ah, c'est quoi ça? Des céréales. Je sais pas ce que ça fout là. On peut vendre. Des photographes. Ah, c'est ça les photos que j'ai fait. Les photos du chat, c'est ça en fait. Friandise. Eh ben ouais, c'est ce que j'ai acheté ça. Compétences. Charisme, comédie, cuisine, écriture, fitness, violon, vétérinaire. Ok. Du coup, il est excellent, et pour passer un niveau en plus, il faut, qu'il écrit. Comment il écrit? Atteindre trois niveaux en écriture pour améliorer et commenter son écriture. Écrivez des livres sur un ordinateur ou lisez un livre sur la compétence. Ah bah ouais, c'est vrai, tiens, lis un bouquin sur la compétence. Tac, 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 c'est où? Le seigneur des marmots. Nanana, c'est pas là. Bah c'est où? Casse-tête de la conjugaison. Il veut pas faire la conjugaison. Il veut faire l'écriture. C'est quoi ce connerie là?
Ah, il y en a pas, faut en acheter. Ça me coûtait combien ça encore? Non, non, non. 12 teintes de crac-crac. C'est genre 51 degrés. Papa, papa, bricolage, on s'en fout. Charisme, on s'en fout. Composition florale. Comédie. Cuisine, cuisine. Dans le brouillard. Dormez moins, courez plus. D'accord. Ouais, mais je crois qu'il l'a lu en fait. À mon avis, il a fini. Parce que là, il y a écriture volume 1. Non, c'est ça alors. Ouais, il me semblait bien que je l'avais acheté. Donc c'est celui-là. Écriture volume 1. D'accord. Genre, il va faire la conjugaison. C'est un écrivain, quoi. Il a dit... c'est un écrivain, il faut qu'il relise des trucs de conjugaison. Oh, bah, on n'est pas arrivé. Hein. Encore un point de compétence et COP. Ah non, faut qu'il écrit carrément un bouquin. Oh, oh putain, il faudra que j'achète un ordinateur. J'ai pas les sous. En plus, je travaille pas demain. Bah, faut le faire augmenter en compétences alors. Après, vous pouvez proposer des activités. Moi, je suis opérationnel. Ouais, en fait, c'est un écrivain. Voilà, il a appris que. Il a appris la conjugaison. Il est assidu, hein. Il est heureux. Pourquoi est-il heureux? Boisson au goût doux. D'accord. Et le feu de cheminée. Putain, ça y fait grave le feu de cheminée. Ouais, ouais, ouais. Ça va me coûter la peau des rouleaux d'acheter un ordi. Et ouais, ouais, ouais. Ah, je me doute, mais à mon avis, 600 balles l'ordi. Surtout qu'au bout d'un moment, je vais avoir des factures à payer. Parce que là, je me fais plaisir. Remarque, n'empêche, avec le truc que j'ai acheté là, et le divertissement, il est toujours OP. Éclairage automatique. Tous les éclairages. Mais en fait, il est fait pour ça, quoi. Qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore, passer du temps? Bah, si tu veux, mais moi, je vais pas te calculer. Hein. Allez, viens. Tu feras ta vie. Tu vois, en fait, il est génie de la musique. Enfin, Bah non, c'est pas logique, ça. Non, c'est ça, son taf. Ça doit être son aspiration. Il veut faire de la musique. Et ça, c'est son taf. Qu'est-ce qu'il fait? Tu parles au chat? D'accord. Zappin' Quarjabin. Shimre, Lance of Sardé. Buster Bood, Wafatum Rashim. Balafoy, Argab. Hanpe. Qu'est-ce qu'ils font les deux gogos là à parler au chat? Le chat il est content. Mais je te rappelle qu'il t'aime pas trop lui. Lui il a toujours l'air désespéré. Lui. Tu vois, il est triste. C'est un suicidaire lui, je suis sûr.
for BAME. Bukwam Shalid, Nivave Swumi, the Sirak. Buster Bood, Wafatum Rashim. Bala for Argaba. Vips Wabitabe, Tharb Thenik, Sabade Bana. Je sais pas ce qu'il se raconte. Harthik, Kabrizi, Babo, Harafluhain. Il n'y a tellement pas d'amis, lui, qu'il parle dans le vide. Allez. Oh, lui, il est chaud. Oh, comme il est chaud, là. Ouh, c'est la fête. Voilà. Ça y est, t'es mieux, là. Allez, discutez entre potos. Niblets of Brescia. Nibs, Alcha. Plurna? Oh, Bouchard. Clark. Clef. Febede. Magna. Jabini Nobe. Il aime pas les mouches. Riba. Ukina Kansum. Sawada Nuloy. Ah, il y a un moment, il faut que t'ailles au shot. Baruda. Shippy Zerb. Ravobi Hapiam. On va essayer de comprendre ce qu'il se raconte. Alors. Il parle de lui-même. Gaun. Yasinar Plif. Whippasu Klingo. Canifloy. Wafatub Fibose. Il dit qu'il a envie de faire un McDo. Turp System. Shema Corbif. Yivka Bumzoy. Falanas Pitfall. Bivand. Squaz Neltra. Angie. Je sais pas ce qu'il dit. Il y avait des trucs sympas dans mon tiroir, mais là je te laisse, faut que j'aille chier. N'importe quoi, les Sims. Tiens, en parlant de ça, il va falloir changer le chat. Là. C'est bon ça? C'est pareil, ça aussi, je vais dégager ça. Quand j'aurai des sous, je mettrai un machin automatique, distributeur de bouffe automatique, et j'ai vu qu'il y avait une litière qui se nettoyait tout seul. Alors, tu jettes la poubelle. Non, tu jettes ça dans la poubelle. Ok. Ah, en fait, il va au plus près. Quoique non, tout à l'heure, il avait mangé là. Il a fait le tour pour... Une... Bon. Il fait ce qu'il veut. Va là-bas, nettoie la litière. Les croquettes, ça va, ça périme pas de suite. Putain, mais lui, il est dépressif, en vrai. Il est jamais heureux. Oh, il est triste. Qu'est-ce qu'il fait? Il se parle à lui-même. Je sais pas si c'est un bon délire d'être pote avec lui. Hein. Il vient chez les gens pour discuter avec lui-même dans un miroir. Espèce de taré. On va faire du violon, tiens. Jeter des confettis. Ah ouais, vas-y. Non. Non. D'accord, ça a duré... Ça a pas tellement... Qu'est-ce qu'il fait? Sans? Hibs? Ex-Noi? Babanev? Flinda Babanev. Sambo. Bon, on a assez discuté avec toi. Il va falloir qu'on s'occupe du taf. Ouais, il fait du charisme, mais vas-y, fais ça chez toi. Il vient chez moi pour discuter tout seul. Qu'est-ce qu'ils font? Allez, mais détends-toi, lui, il est toujours comme ça, triste. Il a dit, regarde, il fait beau, il y a du soleil. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, il dit, regarde, moi je kiffe faire du violon. Il dit, je suis au bout du rouleau, moi j'en ai marre. Moi j'en peux plus, je sais même pas faire du violon. Ma vie c'est triste, il pleut, c'est la misère, frère. Ah, regarde ça, il me fait de la peine. Ah si, quand même, allez, vas-y, enjaille-toi. Tu dois y aller? Non, c'est pas plus mal, hein. Ouais,
il me fait de la peine celui-là. Qu'est-ce qu'il veut? Tu fais du violon. Bon, écoute. Ça me servira. Moi, j'étais plus chaud pour que tu apprennes la conjugaison. Et mon chat, il est où mon chat? Oh, c'est de pointe. Mais ouais, chat, il fait froid, il pleut dehors. Cours, 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 avec tes petites patounettes. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, le chat? T'as vu, c'est loupard. Il a les yeux jaunes et tout pareil. Il va me défoncer le mobilier, enfoiré de chat. Il vient de dehors. Il y a des arbres, il y a la nature. Il faut qu'il me défonce le mobilier. S'en fout. Aucune autorité. Bon gars, bientôt il va falloir aller au lit. Eh mais c'est pas vrai, la bouffe, c'est... Ça périme. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un arbre à chat, mais dehors aussi, il y a des arbres pour les chats. Pourquoi il est dans le social? Lui, il fait quoi? Jeter des confettis? Non mais oublie ça, il est plus là, Justin. Justin Bridou. Après, tu remets. Voilà. Est-ce qu'il bosse demain? Eh oui. Eh oui. Quelle heure il est? Oh, il est minuit. Oh là là. Oh là là. On a fait les fifous, là. Ah, mon gars, t'es pas prêt, hein. Il y a quoi, là? Changer de tenue. Prévoir des tenues. Essayer des tenues. Changer le cible. Il faut que tu fasses sermonner sur les griffes. Sur les griffes. Ah, c'est pour ça qu'il comprenait rien. D'accord. Heureusement que t'es là. Après, tu vas dormir. Pourquoi cette action, elle est toujours là? C'est pas grave, ça n'empêche pas le bon fonctionnement du jeu. Allez, t'es OP là. Tu vas te réveiller pour manger. Hop là, c'est fini le jour de l'amour. Pas été à la hauteur des attentes. En même temps, je suis tout seul, ouais. Pourquoi il est triste? Jour férié épouvantable. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Journée du jargon de pirate. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, ça aussi? On va faire une pause. Qu'est-ce donc? Le jargonnage de piratage. Parler comme un pirate, c'est le moment d'utiliser votre jargon de boucanier. Aujourd'hui, vous êtes invité à parler comme un fier pirate. Si tu veux, on parlera en pirate. Qu'est-ce que t'as? Tu te parles à toi-même. Jour férié. Voilà, pendant 7 heures, il va faire la gueule. Ah d'accord, il s'encourage, c'est bien. Préparer des œufs brouillés. Ah voilà, il fait tout seul, mais c'est bien. Allez. Sachant qu'il est triste, il va les louper, ces œufs brouillés. Tu peux pas louper des œufs brouillés. C'est pas grave. Allez, on y croit. Tant que tu les fais pas cramer, ça ira. Oh,
Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre content? Petite douche. S'asperger d'eau de mer. Ah ben ouais, c'est le truc du pirate. Mini baignade, contempler les vagues. Tonifiante. Un bébé peut me rendre un joueur, non. Ah mais non, en fait c'est juste le truc qui change, d'accord, on prend une douche. Tout va changer parce que c'est le jour du pirate, d'accord. Se soulager par-dessus bord. Piquer un roupillon. Allez, après tu vas au taf. Ramène la thune. Il est excellent. Neuf heures. Ouais, c'est pas encore 9h, t'as le temps de faire un truc. C'est qui le chat? Il s'est barré le chat? Je crois que c'est fini ce temps-là. C'était dans les Sims d'avant, ça. C'était à l'époque, quand on faisait les Sims permis de sortir sur Xbox. Tu te rappelles? Quand on a été dans la salle de muscu. C'était une tuerie, ça. À l'époque, on pouvait jouer à deux sur la Xbox. Bon, t'es perdu, tu sais pas quoi faire. Écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu parles au chat? On va parler au chat. Ouais, il n'y a que les factures. De quoi il parle? Fais-lui un câlin, prends le chat dans les bras. Ouais, tu vois, il n'y a que les factures. Il n'y a pas de courrier, jamais de courrier. Il a même pas pris dans les bras, si? Bon. Il va au lit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu branles, tu vois? Il va chouiner. Mais réveille-toi, qu'est-ce que tu fais, toi? Oh! Ah, il va bosser, là. Euphorique. D'accord, maintenant faut aller bosser. Qu'est-ce qu'il fait? Faut bien qu'il aille bosser. Non? Ah ben non. On est samedi. Bon, et ben voilà. Si tu vas pas bosser, tu vas en profiter pour... Et non, il est triste, il va pas le faire. Ça, je crois pas. Ils avaient prévu de... Enfin, ils avaient fait un Sims Online, mais ça a pas marché, parce qu'il y avait beaucoup moins d'interactions. Et il était beaucoup moins complet. Ça avait déplu. Mais ils avaient, il y a quelques années de ça. Ils avaient fait un Sims Online. Vas-y, essaie de lire un truc, mais à mon avis, ça va pas le faire. Vu que tu fais la gueule... Pendant 7 heures, tu vas faire la gueule comme ça. Combien il y a? 3 heures. Allez. Fait de la peine, mon sim. Voilà, il est heureux. Ça y est, c'est parti. Heureux. Pas mal dans les besoins. Putain, non, pas lui. Je peux pas avoir d'autres amis. Je suis pas là. Mm-hmm.
Ah si si, je peux faire plein de trucs après, mais j'ai plus de sous. J'imagine comme les autres, hein, avec la télé, tu... Merde, je tapais le micro. Tu peux te divertir, tu dois pouvoir jouer à des jeux, l'ordi c'est pareil. J'ai acheté que ça et ça en fait. Tout le reste c'était dans la maison déjà. Et ça. Et après ça c'est pour le chat mais... C'était pour éviter qu'il chie partout. Après sinon on peut faire un tour dans la... par là. Hein. J'ai l'impression qu'il fait que pleuvoir hein, dans cette ville. Hop là. Professeur Tournesol. Pop 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 pop. Il est content, il se balade. Il va où? Hop là, on sait pas où il va. Il a disparu. Allez, mets-toi bien, toi. Après, travaille, travaille, achète ton ordi, écris ton bouquin. Comme ça, promotion directe, plus de thunes. Et après, est-ce qu'on a besoin de faire du social? Si, si, je peux interagir avec n'importe qui. Mais là, en général, ils font leur vie. Il faudrait que j'aille en plein milieu, là. Mais vu qu'il pleut, il va faire la gueule. Alors lui, je sais pas ce qu'il fait. Lui, il s'en fout qu'il pleut, il... Et après, il est pas content quand il est tout mouillé. Voilà. Si, si, je pourrais leur parler à eux. Mais vu que j'ai pas de thunes, j'aimerais bien d'abord essayer de... le faire progresser socialement. On va accélérer un peu. Ouais, tu peux faire des potes, mais sous la pluie, après il fait la gueule. Et s'il fait la gueule, bah du coup, les interactions sociales elles sont moins bien. Par contre, là, il y a un moment, il va falloir qu'il y aille. Voilà, maintenant il est mal à l'aise parce qu'il a grave envie d'y aller. Vas-y, vas-y, t'as pas besoin de moi quand même. Se soulager par-dessus bord. Manger, ça passe. Dormir, ça passe. Divertissement, c'est nickel. Ça va, il est pas chiant en fait, mon Sims, hein, à se gérer. Je peux aussi les inviter. Mais j'ai déjà l'autre là, qui est. Comment il s'appelle C'est Justin, je crois. Le dépressif qui vient régulièrement. Après, il y a des métiers où t'es obligé d'avoir plein de connaissances. Mais là, je veux qu'il soit à fond dans la lecture. Quoi? Il a fini le bouquin? C'est quoi ces conneries? Non, il va le lire. Ah, voilà, il le lit. Ah bah, de lui-même, il le lit. C'est nickel. Voilà, je sais pas ce qu'il fait, mais... Qu'est-ce qu'il fait? T'es au courant qu'il pleut? Oui, c'est de l'eau, ouais. Oui, il s'amuse. Oui, c'est une bonne idée de lire dehors sous la pluie. Ça se voit que c'est un intellectuel. Allez, bientôt terminé ça. On va accélérer. C'est fait. Il a atteint le niveau 3 de compétences en écriture. Maxime peut désormais écrire des nouvelles et des mots d'excuses pour d'autres Sims. Un parapluie à acheter. Il n'y a pas. Alors ça, je sais pas. Mais c'est pas moi qui lui dis d'aller faire ça. Maintenant, tu vois, il est mal à l'aise. Bah ouais, il est trempé, cette espèce de crétin. Surtout qu'il y a le Porsche, là. Là, il n'y a pas de pluie. Je crois qu'il avait envie d'aller dehors. Maintenant, il peut écrire. Peut-être je peux écrire, du coup. J'ai peut-être pas besoin de...
Ah non, je peux pas. Ah non, non. C'est pas grave. Bon, espèce de débile. Va t'en de là, tu vois bien qu'il pleut. On va manger un petit truc. On va faire compote de pommes. T'es trempé, débilos. Tu sais pas du tout. Je te dis, ce jeu, j'ai dû jouer 10 heures. Et j'ai arrêté et je l'ai plus retouché de... Je crois que c'était en 2019 que j'ai joué la dernière fois. Il avait marqué ça sur Steam. En plus, je te dis des conneries parce que c'est pas sur Steam. Parce que je suis sur Origin. Qu'est-ce qu'il a ? Putain, maintenant il va faire la gueule parce qu'il s'est mouillé. Et si on le met au... au bord du feu là ? Se réchauffer. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dégueulé le chat ou quoi ? Ah non, il boit de l'eau qu'il y a de là. Oh là là. Comment ça se fait, il a une grosse flaque. Ah, il y a une fuite aussi. J'ai l'impression que ça devient un peu la merde. Sèche-toi tranquille. Voilà. Je sais pas ce que tu fais là. Ah ouais, mais tu danses en mode mal à l'aise. Briquet le... T'es un peu en... Ouais, si tu veux, tu passes à travers, ouais, pas de problème. Il est heureux. Je crois que ça va être la merde. Wouah, réparer ou remplacer? Allez, essaie de remplacer. De réparer. De toute façon... pas faire pire. Il bricole maintenant, ça y est. Compétence de bricolage. Maxime lui permet de récupérer des pièces dans des tas de déchets et de réparer des objets cassés. Améliorer son niveau de compétence pour débloquer de nouvelles opportunités d'amélioration d'objets. Y'a plus personne ? Ah, c'est... ça arrive. Bah en même temps, il est tard. Hein. 21h. Entre ceux qui sont partis manger et ceux qui sont partis regarder la télé ou je sais pas quoi. Bien le Sims. Maintenant, tu peux nettoyer. Pourquoi il est mal à l'aise? Quoi? Parce que tu fais les poubelles? Il passe de mal à l'aise, heureux, endormi. Ah oui, il a pas le temps, lui. Endormi à 16h. Il faut pas nettoyer, là. Si, il faut nettoyer. C'est quoi, ça? Pièce d'amélioration commune. D'accord. Il doit falloir ça pour améliorer les trucs. Voilà, il est tout content, tout est propre, on est OP, maintenant il est fatigué, mais on va peut-être pas le faire dormir maintenant quand même. On va... Non, tu vas pour lui de suite. C'est trop tôt. On va aller faire nettoyer ce bordel là. Et j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps dans ce village. Pluie, forte pluie, il fait chaud.
Encore de la pluie. On est au printemps. Ah, ça, elle l'a fait. Ok. Pourquoi il dort ? Tiens, ouais, fais du social avec le chat. Ben ça y ressemble, hein. Ça y ressemble. T'as plusieurs environnements et là, ça, regarde, ça ressemble bien à la Bretagne. On peut pas trop voir là, mais... En fait, il y a un espèce de port. Ici, là-bas. Alors, je sais pas si on peut aller plus loin, non. Après, il faut voir sur la carte. Carte du monde. Ah, ça lui fait du social. Ah, mais en fait, mon chat, c'est cool. Il fait du social. Il est joueur. Jouer, non, ça c'est fait. On va le féliciter. Je sais pas pourquoi, mais... Parce qu'il a joué. Non, on va pas le sermonner. Non, ça, ça me dérange pas. On va lui demander qui chante. T'as jamais vu un chat qui fait du rap? Il fait kiffer. Allez. On peut aller au lit maintenant. C'est bon, t'es fatigué, tu peux aller au lit. Oui, c'est un chat qui fait du rap. Piquer un roupillon. Tac, ça fait une heure. Encore une petite demi-heure et après on arrêtera. Et là, normalement, il devrait gagner un peu de thunes. Oui. Il y en a besoin. 300 balles, je crois. Ouais. Pourquoi ça... Ça devrait défiler le temps. Non. On va le faire défiler. Pas des masses. Option de caméra, on s'en fout. Pourquoi ça part pas à toute allure là, comme ça fait d'habitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Voilà, voilà, pourquoi tu te lèves en pleine nuit, toi? Qu'est-ce qu'il veut? D'accord. Il se réveille au milieu de la nuit pour virer la poubelle. Bah après tu vas manger tant qu'à faire. Préparer un ragoût. Un ragoût. On va faire autre chose. Ça, je pense. Oh, 18 balles, non. Vas-y, mollo. Des sandwichs. Fais un sandwich BLT. Je sais pas ce que c'est, mais. Oh, le chat. Non, on défonce le chat d'abord. Il m'énerve à faire ça. Bon, tant pis. Oh, carrément! Toc, 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 toc!
Ouais, c'est Chebest. Pop, pop, pop. Bientôt chef cuistot. Tissa weeb. Managa. Ça, c'est bugué, ça. Ajouter des confettis à Justin. C'est normal, le chat, il pose ses grosses fesses sur le plat de bouffe, là. Mange, et après, au lit. Je fais les bruitages aussi. Il n'a pas un truc bizarre sur la main. Pourquoi il a une bague? Sort d'où ça? Attention, bruitage. Je sais pas s'il le réchauffe, hein. Il va y avoir des poils de fesses de chat là-dedans. Oui, mais t'es un grand garçon maintenant, tu t'en vas, tu nettoies ça et après tu vas au lit. Hop. Allez se coucher. On est bon là. Ouais. Il va se lever au milieu de la nuit pour aller pisser, mais c'est pas grave. T'as le chat qui chante là-bas, je l'entends. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Écoute la musique. Hop là, jour férié. Journée du jargon de pirate était une réussite. C'était fantastique. Hop là, on est en été. Peut-être qu'il va faire beau. Ah, déjà il pleut pas. Mais il fait nuageux. Ah ouais, c'est vraiment la... C'est la Bretagne. Il fait chaud mais nuageux. Sept heures du mat'. Bah tu te fais à manger. Hein. Tu te fais à manger. Tu commences à 9. Commence à 9, t'as le temps de te faire un bon petit truc là. Petite cuisine là, tranquillou. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop rêche. Tacos au poisson. Ça existe ça? J'ai jamais mangé des tacos au poisson. Ouais, il chante l'amour. Allez, vas-y. Toc, 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 toc. Non, mais c'était ça qu'il a fait la dernière fois, alors. Mais non, il a fait pas... C'était des sandwichs. Oh, il s'est coupé. C'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Ouais, moi, je suis pas sûr que ça existe, les tacos au poisson. Ça a l'air d'être du saumon. Tissio, tissio de la cuisson. Vas-y. Le poisson, il était rose et maintenant ça a l'air d'être du col. Paf, paf. Oh, supérieur niveau, niveau 3, compétence de cuisine. Il a repris, il a appris la recette du talapia frit. Je sais pas c'est quoi. À la poêle, des cookies aux pépites de chocolat, des pancakes aussi. Oh cool, le chat, et défonce le chat là. Défonce le chat, direct, direct. Voilà. Ouais. Léopard a appris à ne pas faire les griffes sur les meubles. Putain, depuis le temps? T'es calé dehors? Chante l'amour. Ah, il est en folie. Il est vraiment en folie, le chat.
Et alors, t'as bugué toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es bon pour aller au taf, hein? Tac, tac, tac. Petite peu d'hygiène. Non, t'as pas le temps. Allez, vas-y, fais ta vie. En te lavant les mains. Hop, ça fera l'hygiène. Non, même pas. Au taf! Je sais pas s'il peut s'accoupler le chat. Parti travailler. On va guetter le chat. Ah bah il dort. Normal. Ah puis il dort bien. Pas de temps en l'air et tout. Il est déjà rentré lui? Non. Promotion! Alors qu'est-ce qui se passe? Promu au poste de responsable de du courrier des lecteurs. Maxime a été promu responsable du courrier des lecteurs. Il gagnera désormais 6$ de plus par heure, soit 44$ de l'heure. Il a également reçu un bonus de 612 simflouz. Mais ça, c'est bon, ça. Et le fauteuil, le penseur. C'est où le fauteuil? Je veux le fauteuil. Sa prochaine journée de travail commence à 9h. Ouais, comme d'hab. Mêmes horaires. Tac, tac. Il est où le fauteuil? Attends, attends, moi je veux le fauteuil là, où il est le fauteuil? Il m'a bien dit qu'il avait reçu un fauteuil. Un bonus le fauteuil. Ça c'est des croquettes. Ça c'est pas des fauteuils. Où c'est où? Putain, je veux le fauteuil. Je sais pas où c'est, je vais galérer. Commerce possédé, mais je ne possède pas de commerce. Téléphone. Affiche le calendrier. Bon. Je vois pas où ça peut être. Je me renseignerai mieux. Pas de fauteuil. Qu'est-ce qu'il y a? Hop. Tu vas où? Tu cours, tu cours. Cours, manque d'hygiène, ouais, t'as raison, vas-y direct. Prendre une douche tonifiante, méditative. Prends une méditative. Tu vas méditater. Après ça, la bouffe. On va se cuisiner. Il y a des choix, il y a des... 43! Ça là, je sais pas c'est quoi. Hop, on va tester. Là t'es bon, là t'es bon. Après t'iras aux toilettes. Ouais, je pense que c'est là, mais... vu que je sais pas, j'imagine que je vais me perdre encore dans le truc. Normalement tu vas là. Ça c'est pour les trucs, tu vas là. Construction. Ça je sais pas ce que c'est, tu vois. C'est quoi la galerie? Oh, il y a trop de choses, je vais pas là-dedans. Mode vie, construction. Construction. Et après, bah... salle de bain, chambre, salon, salle à manger, bureau, peut-être dans les bureaux, chaise. Ça doit être ça, mais il faut les acheter en fait, on l'a pas eu alors. Non, ça c'est pas ça. Chaise, salle à manger. Chaise, meilleur cadeau. Aucune idée. Ah non, ça c'est d'accord. Ouais, tu vois, je vais me perdre, on va y passer la journée. Ça peut-être. Loisirs et compétences. Oh, c'est quoi ça? Machine au truc. Un médicament du docteur. Si on pas cher. Ça là peut-être. Tu vois, ça c'est les trucs qui nous servent normalement. Genre le piano, le violon, tout ça c'est pour s'améliorer.
table de composition florale, c'est quand tu fais le truc de jardinier. Oh, les bonsaïs. Le bar, maître des échiquiers. Ah, mais j'ai pas vu, il y en a d'autres. Ouais, il y en a trop. Patinoire, hein, carrément. Oh, machine de muscu 2500. Chaise de bureau. Mais il m'a dit que je les ai reçus. Normalement, ça devait être dans un endroit de chez moi. Parce que je suis sûr qu'elle me sert à quelque chose. À quelque chose. Sert à quelque chose, à cette. Bon, attends, je reste 2 minutes. Je vais peut-être trouver. Par fonction. Accoudoir. Fauteuil. Fauteuil. Grand fauteuil. Tabouret, ça ressemble pas à ça. Ça c'est un banc, ça c'est je sais pas quoi. Ça ressemble pas à ça non plus. Il y a trop de trucs, hein. Trône de cuivre. Ah, un aquarium. Non, il y a trop de choses, c'est quoi ça? Sticker. Il y a trop de choses. T'as vu ça? Pff, là, il y a des chaises, là, mais... Wow. Fauteuil, 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 siège extérieur. Fauteuil, fauteuil. Fauteuil, fauteuil, toujours des fauteuils. Trop de trucs, hein. Tourniquet. C'est pas fini. Salle à manger, salle à manger. Ah ouais, non, laisse tomber. Oh, t'as vu ça? Ah, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Chaise, salle à manger assise. Bon, laisse tomber, salle à manger, siège. Meilleur cadeau, non, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est pour les trucs de bébé. Je passe toutes les sièges et les tabourets et après je me casse. Confort du pirate. Ça se trouve, je vais même le louper. Accoudoir. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Tabouret. Satellite. Qu'est-ce que c'est ça? Tabouret. Siège de bureau, le boss. Le professionnel. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils ont dit que je l'avais. Je l'ai gagné. Enfin, je l'ai eu. Donc ça doit pas être là. Il doit y avoir un menu où tu stockes les trucs que tu dois gagner. Je ne sais point. Il est heureux parce qu'il a eu la promotion, évidemment. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai dit quoi après? Manger, toilette. Et tu seras pas mal. Si tu cliques où il t'a dit? Bah il m'a dit où? Il est inspiré, ça veut dire qu'il va être bon pour apprendre des trucs. Je sais pas où il m'a dit. Je vois pas où ça peut être. Carrière peut-être. Il y a peut-être un truc là. Non? Tac tac tac. Non. Je vois pas. Hop là, la cuisine est délicieuse. Faites sauter des crêpes, mélangez cette sauce. Le message en bleu. Ouais, mais le message en bleu, il est parti. Et dans son élément, souhaite-t-il saisir cette opportunité? Constater qu'il aime la cuisine. Est-ce qu'on fait en sorte qu'il aime la cuisine? Ça serait pas con, parce qu'en fait, la cuisine, on va en faire tout le temps. On va dire qu'il aime la cuisine, comme ça, il se régale. Chaque fois qu'il fait la cuisine, c'est son kiff. Et hop. Voilà ça, comme un chef, là. Et voilà, je t'ai dit, ça allait être je te best. Ouais, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'il peut aimer ou détester. Hop là, bam bam, allez, tranquille.
Il fait comme le mec là qui sale avec le coude. Par contre, elle est dégueulasse. Hein. Attends, mais maintenant qu'on a un peu de thunes, on ne peut pas appeler un domestique. Commander. Service de réparation domestique. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de faire le ménage. On se concentre sur nous-mêmes. Ah, il va apprendre plus vite en plus là. Parce qu'il est inspiré. Un ordi. Bah, je pense qu'on fera ça la prochaine fois. Ça fait 1h20 déjà. On va finir la journée tranquillou. Peut-être faire la journée d'après. Ouais, mais à mon avis, ça coûte la peau des rouleaux, ça aussi. Va falloir attendre qu'il gagne un peu la thune. Et ça aussi, ça, j'achèterai ça. Après qu'il ait fini, là. Parce que vider la gamelle, remplir la gamelle à chaque fois, à moins que le domestique il le fasse, mais c'est relou. Alors, performance moyenne, donc ça veut dire qu'il faut être content et tout pour qu'il passe un niveau au-dessus. Écriture et écrire un livre. Ouais, mais c'est pas obligé alors ça. Pas commencer. Parce qu'on a quand même réussi à être promu. Ouais, j'ai la prime de 600. Ah, mais tu vois pas parce qu'il y a ma grosse tête ici. J'ai 1500. Et je pense que l'ordi va coûter cher. Et on n'a pas reçu la facture encore. Voilà, propre, le gars, propre. Pas dormir de suite, tant que t'es inspiré. Pourquoi il a tapé une pointe, le chat? Hop, merci d'avoir recruté un domestique chez un domestique fantastique. Il arrivera à 10h du mat, c'est cool. On va remplir la gamelle après. Et vu qu'on est inspiré, 400 l'ordi, peut-être. Peut-être. Bon, pour l'instant, en fait, regarde. Je pense qu'on va faire attendre la compétence 4. Parce que si ça peut nous faire encore une promotion, ça peut être cool. Vas-y, on va faire ça. Mais on peut plus maintenant. On l'a plus le livre. Ah, mais ça, c'est peut-être celui qui n'est pas là. Il est là. Normalement, c'est celui-là. Comme ça, on sera bon. Jouer d'un instrument pendant 1 heure en étant inspiré. Merde. Peut-être ça aurait été mieux de faire ça. Finalement. Changement de plan. Alors qu'il a pas dit s'entraîner, il a dit jouer. Je rentre à la maison. Je me disperse. Je sais pas trop ce que je dois faire. Je pense que tu peux écrire à l'ordi, ouais. Mais je me méfie de la facture. Elle est pas là, la facture. Afficher des informations sur la facture. Regarde, déjà 600 boules. Hein. C'est quoi ces factures, là? Taxe du terrain, 423. Électricité, 229. La flotte, 5. Eh ben. Autre taxe, il n'y en a pas. Taxe du variation. Moins 55 par jour. Et ça, c'est juste parce que c'est... Ah oui, je crois qu'on peut... Il y a un DLC, machin écolo, où on peut mettre des... Sûrement des... Peut-être pas des éoliennes, mais des machins solaires, des trucs comme ça pour réduire. Ça doit avoir un rapport avec ça. Allez, vas-y. Jouille. On va accélérer quand même. On va même accélérer à fond. Ah, il a du mal.
peut-être le mettre au lit aussi dans pas longtemps. Demain il taffe. On va lui faire faire une journée. Et après, je stoppe. Ça l'amuse. Qu'est-ce qu'il veut? Nettoyer. Non, non, mais t'occupe pas, il y a le domestique demain. Bon, écoute, ça te fait plaisir. La prime pour les factures. Bah déjà 600 balles, hein. J'ai 1005 là, tu le vois pas parce qu'il y a ma grosse tête. Mais la facture elle est déjà à 600. 658. Donc on va y aller mollo. Mais demain on va gagner des sous déjà, plus même, parce que j'ai la promo. Le pyjama, c'est... C'est le petit poulet qu'il a choisi. Avec des chaussures lapin. Des pantoufles lapin. On va anticiper. Alors. Putain, la feu de cheminée, c'est non-stop. Toilette. Manger. Se faire à manger. Qu'est-ce qu'il a fait de beau encore, de balèze? Tapis à la frite à la poêle. Ouais, mais la bonne, je pense que ça va être un gain de temps. Donc, je pense que c'est pas plus mal. Tu vois, sortir les poubelles, ranger les trucs, machin, nettoyer. Il n'y a pas le robot aspirateur, tu vois. Il est pas stylé avec son petit pyjama. Là, techniquement, il se pisse dessus, hein, normalement, mais bon. Oh non! T'as le chiot qui fuit. Oh, on va gérer après. Allez, it's the best. Ah, c'est dégueulasse. Le plan de travail, il est crasseux. Hein. Tu vas choper des... Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Allez, vas-y. Tac, 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 tac. Po, po, po. Il met du... C'est quoi qui est rouge comme ça? C'est du paprika, là? Rentable, c'est pas rentable, mais c'est juste que t'as pas à le faire, quoi. Tu vois, ça là, faut nettoyer, sortir les poubelles, machin, c'est... Autant prendre le temps pour autre chose. Puis de toute façon, dans tous les Sims, au bout d'un moment, tu t'en sers. Allez, fais-toi kiffer, mange bien. Après, tu iras réparer un peu, quand même. Il est que bien là, il n'y a pas un truc pour le mettre super bien. Oh mais là tu vois par exemple il nettoie pas à mesure. Tu vas remplacer 125 balles, non on répare. Voilà là il est bien, il est heureux. Tu vois ça, hop, il n'aura pas besoin de le faire. Pareil nettoyer là une fois qu'il aura réparé. Ah tu vois il est mal à l'aise. Et ça s'il part comme ça au taf, zéro promo. C'est pas dit qu'il y arrive avant 9h. Hé hé, téléphone portable, il est ici. Tu arrives ou quoi? Allez, tu peux le faire. En plus, ça t'augmente en bricolage. Wesh, le chat, il a pris le mur. Bien. Il a obtenu des pièces de réparation pour je sais pas quoi. Il est heureux. Câlin au chat.
Et après, boulot. Il est tendu. Pourquoi il est tendu? Parce qu'il est pas sorti. Ah, il est enfermé. Si, si, t'en rappelles pas? Mais j'ai raccroché à l'autre. Depuis, il m'a plus rappelé. Merde, il part au travail tendu parce qu'il est pas sorti. Bah en même temps, maintenant il fait beau, on le fera sortir. Pourquoi manquer le travail? Maxime est au travail. Son responsable ne va sûrement pas apprécier son absence. Souhaitez-vous vraiment qu'il manque le travail? Ben non. Qu'est-ce que c'est ça? Maxime au travail. Parce qu'il est tendu? Il veut se barrer? Est-ce qu'on le fait manquer le travail? Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Peut-être vaut mieux qu'il travaille pas quand il est tendu. Bizarre. C'est le pouvoir à la commu. C'est vous qui décidez. Non, hein. Ouais, je pense pas non plus. Bon. Allez, hop, non. Attends, sautez-vous un qui manque le travail. Bah non. Peut-être il est tendu, il va se faire un... C'est quoi cette blague? J'ai merdé ou pas, là? Pourquoi il est pas allé au travail, ce con? Ah, il est sérieux, lui. Parce qu'il est tendu, il est pas allé au... J'ai pas... Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il est heureux maintenant. Pff, pas compris. Cette espèce de crétinos, il va pas me rapporter du fric. Bon, bah, vas-y, on va faire autre chose. Hein. Besoin, il y en a plus. C'est pété, ça? Ouais, répare. Il commence à 9h. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Ah, courrier distribué. Facture aussi, tu vois. La facture vient d'arriver dans votre boîte aux lettres. Vous devez taxes du terrain, électricité, eau et autres taxes. Taxes, ça existe pas. Il avait 24 heures pour payer. Vous avez un... Vous pouvez payer en utilisant votre téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais je veux pas avoir la leçon, on va payer. Bon maintenant qu'on est là, vous recevrez un appel avant que les factures n'arrivent à l'échéance. Lorsque les sims achètent plus d'objets, augmente la valeur, blablabla, on paye plus, on a plus on paye. Ouais peut-être c'est ça. Hein. Et si on paye pas, on se fait saisir. Ok. Bon ben, on va payer. On va payer, on va chercher le courrier et on va payer. Répare. Allez. Ah, c'est le pro du bricolo. On finit cette journée du coup. Paf! Niveau supérieur, on est bon! Bricolage 2, Maxime peut maintenant effectuer des améliorations de base sur les éléments de plomberie et fabriquer des meubles sur un atelier d'ébéniste. Il peut aussi parler de bricolage. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ça sonne? Mon patron m'appelle, dois-je répondre? J'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'il y a? Wapenar! Shabini Jabit, Turp System! Ouais. Tac, super. En retard pour le travail. Mais c'est même pas en retard, c'est... Il travaille pas du tout, là. Comment on fait pour le faire aller au travail? Il y a marqué en retard, mais c'est pas en retard, hein. Ah merde, on peut aller au travail quand même. Eh, vas-y. Peut-être on sera pas payé bien comme il faut. Oh putain,
Il est mal à l'aise. Mais non, c'est bon, ça se range là, tu vois bien. Et voilà, il va aller mal à l'aise au travail. Non, c'est bon, il est heureux. Et il est fou lui. Hein. Payer 667 balles de facture. Prendre le courrier. Voilà. Ah ben c'est pas la bonne ça, monsieur. 67 balles le monsieur il me coûte. Eh ben, il a fait deux trucs, mais bon, c'est pas grave. Oh, le chat. Dormir. Bah du coup, c'est fini. Hein. Je suis con, moi. On attend qu'il rentre, et voilà. Ah mais non, je suis bête. J'ai dit, on finit la journée. Hop, hop, hop. Je veux lire. Maxime a ramené 318. Et ouais, moins que prévu. À la maison aujourd'hui. De plus, il a réalisé un fantastique performance au travail. Il a obtenu un jour de congé. Donc j'ai 4 jours de congé. J'ai un peu de thunes, mais ça va partir. On est bon. Chaque jour 67 balles. Eh bah écoute, possible. Pourquoi tu fais Ah oui, d'accord, il a payé. Courrier, il n'y en a plus besoin, c'était la facture. Ok. On va voir, on va voir. Ouais, 67 balles, c'est pas donné. Qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il veut dire? Il est gundeng. Fais câlin au chat quand même. C'est important. Donne-lui une friandise à 5 balles. C'est important. Tu fais câlin avec le chat. Et tu joues avec le laser. C'est pour le chat. C'est voilà. Tout pour le chat. Oh, regarde comme il est mignon. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Donne la friandise. Oui, Kalinou. Kalinou le minou. Pourquoi t'as pas joué avec le chat? Non, j'avais dit de jouer avec le laser, mais bon, tant pis. Ok, bon. Maintenant, faut manger. Tarot, attends, je vais faire à manger et on va regarder l'ordi. Et la télé. On va le cuisiner parce qu'il a la dalle. Ouais, un gâteau Amber à 25 balles. Ah non, c'est quand t'es nombreux, ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tac, tac, tac. On a tout fait, hein. Ça, là. Gabili, Bili, Jim. Galbi, Jim. C'est la chanson de Michael Jackson. Ah, ça lui met bien, ça. Ça le rend heureux. Faire des câlins avec l'opard. Allez, vas-y. Ah oh, bah, c'est carrément... C'est un ragoût, c'est une soupe. Ça va le mettre bien, ça, en plus. Il aime bien faire la cuisine. Un peu de sel. On touille. Tac. Alors, tarot, tarot, poif. C'est comme ça. Tac, l'ordi. Tablette, tablette, 500 balles la tablette, bambin uniquement, d'accord, donc c'est pas nous. Ordinateur basique, lenteur et lourdeur. Divertissement 5, évaluation de consommation, ça aussi, ça va faire monter la conso.
fiabilité 3, améliore compétences des jeux vidéo, améliore compétences programmation, améliore la comédie et l'écriture. Donc déjà on peut avoir un truc pour 800 balles, une tablette pour 1000 balles, bah laisse tomber les prix. Hein. Incassable, ah. Améliore la compétence jeux vidéo, et c'est tout, donc autant prendre ça. Logiciel de traitement de texte, 1000 balles, divertissement 5, consommation 3, fiabilité 5, jeux vidéo, après ça fait tout. Et ça c'est beaucoup trop cher. Wouah, 4000 balles, 10000 balles, bon après il se divertit de fou aussi. Dispositif de calcul portable. Eh ben... En vrai, ça sert à rien d'acheter la télé, hein. Parce que consommation électricité, tout le bordel, autant acheter un bon ordi. Hein. Regarde, consommation électrique 10. Ça, 800 balles à la limite. Mais bon, c'est pas ouf. Fiabilité 3 en plus, ça va péter non-stop. Tablette, c'est de la balle, mais tu peux pas écrire. Et 1000 balles, c'est la même chose. Fiabilité 5 par contre. Déco inspirante 2. Celui-là ou celui-là. Mais il peut pas jouer avec ça. Il joue avec ça. Amélioration des jeux vidéo, ouais. Ouais. Soit 800 balles, soit 1000 balles. Consommation d'électricité, c'est 3 partout. 3, 9. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est tout, hein. On va attendre d'avoir un peu de thunes parce qu'on n'a plus que 1000 balles. C'est cher la vie, même dans les Sims. Allez. Mange les brocolis. Mange les brocolis, 19h. Quand tu auras mangé les brocolis, tu vas chier un coup. Normal. Ouais, on va économiser là. On va voir si l'autre elle nous prend 60 balles par jour. Mais bon, si c'est 60 balles et que j'en gagne 400, ça va. Normalement, c'est 400 et quelques, hein, combien je gagne. 44 de l'heure, il faut pas que je loupe. Et puis je devrais augmenter là aussi. Ouais, ouais, ouais. Allez, utilise-moi ça. Après, tu te mets bien. Pendant une heure, tu vas faire un truc pour la Tunasse. Tu vas atteindre le niveau 4 en écriture. Et où le truc? Où c'est qu'il a mis? Vendre? Ouais, mais après, vendre pour acheter, ça sera un peu à pas grand chose. Non, mais avec le temps, tranquillou. Après, j'ai pas voulu m'emmerder parce que j'avais créé tout le personnage et Petit Poulet a dit c'était long. Alors, j'ai pas fait une maison, sinon j'aurais pas fait une maison à étage déjà, c'est trop cher. Regarde, tout l'étage de là, il sert à rien. Il y a que dalle. Il y a un bureau là. Ouais, j'y poserai l'ordi au pire. Mais à part pour dormir, moi j'aurais fait un truc plein pied tout petit là, genre ça. Mais ça, voilà, tac, tac, tac. Avec un lit ici, ça aurait été large. Et j'aurais payé moins cher. Hop là, il y a une femme. Qui c'est qui passe là-bas? Ah non, ça... Ah, mais il y a les chiens aussi. Il n'y a pas. On peut pas faire du black. Hop, il a combien là-bas? Ça va, il a encore le temps. Et qu'il fasse pas le con, qu'il aille au taf. Sinon, c'est sûr, on va pas y arriver. Alors, pourquoi il est content? Le feu... La douceur animale.
excellent morceau. Ah, il a bien mangé, il s'est fait plaisir. Ah non, c'est la musique ça. Et là, il a bien mangé. Très correct. Je pense qu'on peut faire un jardin, ouais. Je pense. Ouais, c'est trop ça. Moi, j'aurais pas fait tout ça, tu vois ça. Y a toute cette partie, elle sert à rien. Même celle-là, elle sert à rien. Mais il n'y a pas d'autre maison. Après, il faut la construire. Et la construire, je vais en avoir pour une heure. C'est bon, t'as lu, là ? Eh ben oui, maintenant. Allez. Qu'est-ce qu'il fait ? Un coup, il lit, un coup, il écoute. Tu commences à 9h. Bon, allez, à 22h, on te fait partir. Voilà, ça, c'est relou aussi, la bouffe. Toujours... Prochaine fois, il faudra que je regarde si elle change la bouffe dégueulasse. Enfin, si il change la bouffe dégueulasse, là. Le concierge, ou je sais pas comment il s'appelle. Allez, go. On va au lit et on arrête là. Et moi, je vais faire à manger dans la vraie vie. Ça, c'est relou. Tu vas te laver les mains ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah non, c'est juste que c'est méga dégueulasse. Tu vois, en vrai, il y a toujours un truc à faire. J'ai jamais vu un évier aussi dégueulasse. Employé de maison. Ouais, mais ils appellent pas ça comme ça. Les employés de rue. Allez, c'est bon, on va au lit. Et on enregistre là. Tac. Sauvegarde. C'est bon, ça marche? Ça marche pas? Hop là. Bon, ben voilà, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, ça fait 1h30, 1h48 même, je vois. Donc, c'est l'heure. Ouais, mais attends, apparemment, le live, il a planté. Pourtant, t'as le live, toi. Bizarre. Bon, sur ce, de toute façon, c'est fini. J'essaierai de rejouer dans la semaine. Donc, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.